Hello, c'est Hacher, votre chroniqueur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film avec pour rôle titre Donnie Yen. Ce film se nomme Swordsman. Ce film, au moment où il est sorti, j'étais complètement passé à côté. Maintenant, je viens de le découvrir, donc forcément, il faut que je vous en parle. Let's go! Alors, ce film est totalement innovant par rapport à ce registre. Alors oui, le titre international est Swordsman, mais en fait, en Chine, son titre réel d'origine, c'est Wuxia. Logique, c'est un film dans le registre Wuxia, Wuxiapian. C'est un film, forcément, vous allez retrouver de nombreux combats avec de très belles chorégraphies. Alors, l'histoire de ce film est assez innovante. D'un côté, nous avons tout ce qui est Wuxia, Wuxiapian, avec un côté épique, une très belle reconstitution d'ailleurs des décors. Mais sur le fond, il s'agit d'un thriller. Et oui, vous avez bien entendu, il s'agit d'un thriller. Car tout au long du déroulé de l'histoire, vous allez découvrir une enquête. Et la personne qui est enquêtée, c'est le personnage interprété par Donnie Yen. Alors tout d'abord, sachez que l'action se déroule en 1917. Donc nous sommes en République de Chine. Donc nous avons un couple formé donc par Liu Jingxi avec sa femme Yu. C'est un couple assez classique avec deux enfants. Ils vivent dans un petit village. D'ailleurs, ce petit village se nomme Liu. Il est donc dans la province du Yunnan. Alors, assez rapidement au début de ce film, vous allez découvrir que deux bandits essayent de voler donc un magasin dans le village. Et parce qu'au début, on a une petite présentation de différents habitants au sein de cette petite communauté. Donc Liu, le personnage donc interprété par Donnie Yen, est dans ce fameux magasin qui se fait cambrioler. Là, immédiatement, un combat se déclenche et le personnage Liu, donc interprété par Donnie Yen, tue les deux malfrats. De ce fait, il y a un détective qui arrive, le détective Xu Baijiu, interprété donc par Takeshi Kaneshiro. Il veut enquêter pour élucider le pourquoi et le comment les deux individus ont pu être tués. Surtout que c'était deux bandits avec une certaine renommée. Voilà, c'est le postulat de base de ce film. De ce fait, nous avons bien un côté Wuxia, mais nous avons un côté suspense, enquête policière. Et ça, c'est innovant pour ce type de film d'avoir un côté policier au sein d'un film épique. Alors forcément, ce mélange de genres a bien évidemment contribué à la réussite au box-office de ce film. Car tout au long de ce film, le côté action wuxia s'entremêle réellement avec des narrations extrêmement édulcorées, extrêmement travaillées. Il y a une parfaite alchimie entre les différentes composantes regroupant la totalité de ce film. Et je rajouterai que le personnage interprété par Donnie Yen, Liu, et le personnage interprété par Takeshi Kaneshiro Xu sont extrêmement édulcorés. Il y a une réelle confrontation entre ces deux protagonistes du début jusqu'à la fin. Dans une première partie du film, le personnage de Xu sera dans l'observation par rapport au personnage de Liu. Après, il y aura une deuxième étape avec une sorte de confrontation, avec des mises à l'épreuve, où d'ailleurs le personnage interprété par Donnie Yen va risquer sa vie. Et après, il y aura une phase de compassion. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer plus en détail sur les différentes lignes scénaristiques de ce film. Vous me connaissez, c'est mon habitude, je n'aime pas spoiler. Ce film est magnifique et il est magistralement interprété. Et le scénario est très bien travaillé, ce qui fait qu'on a des petites surprises au fur et à mesure du déroulé de l'histoire. Je rajouterai qu'il y a un certain esthétisme qui est apporté à chaque plan séquence avec une très belle photographie, une très belle qualité d'image. On peut même reconnaître que certains plans séquences semblent être parfaits. Même si la réalisation peut paraître un peu conventionnelle, l'esthétique surprend en permanence. Alors oui, les décors réels aident à ajouter de la profondeur pour chaque plan séquence.
Mais l'ensemble est d'une telle fluidité, on ressent un réel naturel en fonction de chacune des scènes, cela apporte à l'ensemble du récit une qualité supérieure. Et il y a énormément d'émotions qui se dégagent lors des différentes conversations entre les deux principaux protagonistes. Ce film est selon moi une perle rare. Évidemment, faut aimer les films Wuxia. Ce film est dans la pure tradition du genre. Si vous avez aimé La 14e Lame avec Donnie Yen, forcément ce film est pour vous. Alors oui, ce film a moins d'action que dans le film La 14e Lame ou que dans Lord Bloodsman. Ce film a énormément de profondeur à l'image du personnage que Donnie Yen a interprété dans la saga Ip Man. Alors concernant la réalisation, ce film est réalisé par Peter Chan. Peter Chan a déjà une belle filmographie qu'il a débuté en 1988, mais en ce qui me concerne, c'est l'unique film que j'ai pu voir de Peter Chan. Et c'est bien dommage, car au vu de la qualité de ce film, c'est un réalisateur qui mériterait davantage de publicité pour des sorties au cinéma. C'est d'ailleurs dommage que ce film Swordman n'a pas eu des sorties internationales sur le plan cinématographique. Alors ce film est parfaitement réussi, il a une très belle image, l'histoire est parfaitement maîtrisée, nous avons vraiment le postulat de l'attaque des voleurs au début, le moment enquête et le secret. Toutes les composantes du film sont parfaitement maîtrisées avec une lumière, une photographie, je n'ai de cesse de le dire, mais extrêmement belle. Ce film Swordsman est un film à découvrir. Alors au final, c'est un film que je vous conseille. Ah oui, principalement pour tous les aficionados de l'acteur Donnie Yen. Également pour tous les aficionados de films Wuxia. Mais je dirais pour les gens qui ne connaissent pas ce registre de films, celui-là est une bonne entrée en matière. Car il associe donc deux genres complémentaires, suspense, Wuxia. C'est un film que vous pouvez découvrir par le biais de support physique. Je l'ai d'ailleurs moi-même découvert en format DVD. C'est un film que vous pouvez également découvrir par le biais de plateforme. Je pense même que vous pouvez le découvrir sur YouTube. En tout cas, j'espère que vous allez découvrir ce beau film avec Donnie Yen. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas petit pouce et partage. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.